Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo pour vous annoncer quelque chose d'assez incroyable. C'est que ma grande stupéfaction, donc pendant chaque vacances, je sais que tous les joueurs de Dofus le savent, eh bien il y a un grand tournoi interserveur qui oppose des teams de 4v4 avec toutes les classes du jeu, toutes les entre guillemets meilleures personnes jouant ces classes-là de chaque serveur. Et ben là on est à la 6e édition, je pense, si je dis pas de conneries. Et cette année-ci, à ma grande stupéfaction, je suis sélectionné sans m'être inscrit. Donc voilà, dans les remplaçants de Summons, voilà, je suis ici. Je me suis pas inscrit, comme vous voyez, je suis le seul à ne pas avoir fait de temps. Et pourtant, je suis sélectionné pour aller représenter le Ghoul Terminator. Bon, je suis dans une team, à mon avis, poubelle, parce que j'ai pas encore. Enfin, on s'est pas encore fixé au niveau des teams avec les capitaines et tout ça. Mais à mon avis, je serai dans une team poubelle, donc je serai. Oula, il y a un truc là. Je serai présent au Ghoul Terminator cette année-ci, encore une fois. Non pas pour filmer, mais pourquoi pas jouer en fait. Et ben c'est assez sympa de ça. Donc je suis désolé pour toutes les personnes qui pensaient que, enfin entre guillemets, qu'ils auraient une chance. C'est pas voulu. En fait, quand j'essaie d'y aller, je suis pas pris. Et quand je n'essaye pas d'y aller, je suis pris. Donc déjà l'année passée, mon sacrilleur avait été sélectionné parce que j'avais fait une fois le combat sur le Ghoultar vite fait et que j'avais fait un score de merde. Mais comme il n'y avait personne qui l'avait fait d'autre, et ben j'avais été dans les 5 dernier, je crois que j'avais fini quatrième ou troisième à l'épreuve de popularité, mais comme c'est les deux premiers qui sont pris, mais en fait cette année-ci j'ai fini troisième dans l'épreuve de popularité. Mais le truc c'est que il y a besoin de 2 roublards par serveur, donc au final sur les 5 entre guillemets sélectionnés, il y en a 4 qui sont sûrs d'y aller, et j'ai fini de troisième à la liste de popularité. Donc voilà, je suis sélectionné pour aller représenter Summons au Ghoul Terminator en tant que remplaçant Roublard. Je ne sais pas encore la team que je vais rejoindre. Je vais essayer de prendre contact avec eux. Dès que je saurai quoi, je vous tiens au courant, ne vous inquiétez pas. Bonjour. Donc en tout cas, je pourrais aller au Ghoul Terminator. Bon, je suis pas optimisé du tout, j'ai un stuff de merde, mais on m'a prêté des stuffs que je saurais pas vous montrer là, parce qu'on les a juste prêtés pour la sauvegarde, et puis je les ai rendus directement, histoire que quand je serai sur le serveur de tournoi, je sois pas dégueulasse en mode 199 de merde, quoi. Et donc voilà. Donc là, je fais un petit coliseum avec des amis. Et bah, je me fais tout à fait défoncer quand je vois un sacré en face qui a 7000 HP. Donc est-ce qu'on en parle? Et là je suis avec mon vieux stuff sagesse. Enfin, le vieux stuff que j'avais déjà en sagesse. Oh pardon. Et voilà. Donc en gros je suis allé coucher tard parce que les personnes qui devaient me prêter les stuff, eh ben, ils m'ont dit ben, on va jouer jusque tard, et puis juste avant la sauvegarde on te les donnera, comme ça après la sauvegarde ben, tu nous les rends à l'aise, quoi. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pas dormi beaucoup de cette nuit-ci. Enfin, en tout cas j'ai été dormir tard, et c'est pour ça que je baille. Alors comment je pourrais faire pour aller là-bas? On va pas aller là-bas du tout en fait. Oula, je suis pris un piège répulsif. Donc là, je suis en train de full Coliseum depuis que je suis au courant, pour histoire de me réhabituer au PVP. Et bah, dès que je saurai plus d'informations par rapport à la team que je vais rejoindre et tout ça, que je dois remplacer, les dates, les matchs et tout, bah, je vous tiendrai au courant. Donc vous allez en bouffer du Dofus pendant les vacances. Par contre, le souci, c'est que il y a beaucoup de matchs que tant que je sais pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ça va attacher une putain. Oui, super. Je suis en vacances. Donc c'est cool. Il y a peut-être des matchs que ce sera pas moi qui jouera. Donc ce sera sûrement mon frère ou quelqu'un d'autre. Mais quand je ne saurais pas être là, ben, je m'arrangerai pour que quelqu'un puisse jouer le roublard quand même sur le serveur tournoi. Parce que ce serait dommage de pas être laissé les matchs pour rien.
Et là, je vais essayer de faire un gros mur sur le sacri qui prend vachement beaucoup d'érosion, c'est bizarre. Ouais, il a 10%, mais putain, il a pris cher, qu'il était à 7000 HP. À moins que ce soit un contre-coup de l'Eka qui était dessus, j'ai pas fait attention, mais ça m'étonnerait. Donc moi, je prends vachement de dégâts, mais mon dernier souffle va revenir à ce tour-ci, donc je vais reprendre 2000 HP d'un coup. Donc ça va faire plaisir. Oh l'enfoiré. J'ai réussi à en faire pêche, au moins que tu travailles avec la plaque. Non, je travaille pas avec eux. Ah, ce sera avec plaisir. La Play Comedy Club, c'est comme une chaîne assez réputée, mais non. Malheureusement, non, je ne fais pas de vidéo avec eux. Enfin, pas que je sache, à moins que quelqu'un ait upload une de mes vidéos sur leur chaîne, mais ça m'étonnerait. Allez, petite ramette. On va faire une entourloupe. Voilà, on assure que c'est la vraie. Et on fait péter tout ça. Voilà, comme ça, elle prend masse dégâts. Est-ce qu'on dit lol encore? Est-ce qu'on dit lol? Là, je vais faire presque 2000 de dégâts en un petit tour, donc c'est sympa. En plus, j'ai repris ma vie. J'ai quelques boucliers. Donc ça, on n'est pas trop mal. Bon, la SRAM est presque morte en face, donc là, bien sûr, il va mettre chance d'éca flip, donc elle va être intuable pendant un tour. Je vais essayer de vraiment m'entraîner à fond, histoire de pas être trop, entre guillemets, ridicule au tournoi, parce que je pense pas que je vais être pris pour faire un match ou quoi, parce qu'à mon avis les personnes choisies sont beaucoup plus fortes que moi, donc c'est Alakazam et Tattoo Killer sont vachement plus forts que moi, mais on sait jamais que je doive jouer un match, et si c'est le cas, bah, j'espère ne pas être trop ridicule, et c'est pour ça sera ma chance. Bah oui, la chance. Elle pousse pas. Allez, pousse. Qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi? Ça a changé concentration de chakra. Oula, où je prends de cher. Allez, est-ce que tu peux jouer? Putain, il fait trop mal. Libéré, délivré, je vais me faire défoncer. Alors, tape le sacré. On sait peut pas. Mais tape! Voilà.
il a fait sur lui. Alors comment ça va, chance des dégâts maintenant? Dégâts subis de... Ah oui! Ah oui! Je vais essayer de la défoncer. Voilà. Oh putain, c'est quoi cette blague? Elle a pas pris de dégâts. Ah non, c'est vrai. Juste. Elle est sous... Comment ça s'appelle? Sacrifice. Ouais, donc là, le sacri, clairement, il va prendre... La bite ce tour-ci, mais moi aussi je vais prendre la bite. Est-ce qu'il peut m'invisi? Non, il peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça va, je m'en sors bien. Libéré, délivré. Je vais essayer de le mettre dans un mur. Faut surtout pas qu'elle me tue en fait, Biff le Céleste. Ça c'est du pseudonyme, mais j'avais pas fait attention. La Biff le Céleste. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais non, il veut ma gueule en fait. Donc du coup. On va faire ça. Merde, je le vois pas. C'est quoi ce bordel? Il perd pas de vie? Ah, il y a une trêve! J'avais pas vu! J'avais pas vu! Mais je suis mort prochain tour en fait, puisque j'ai les poissons insidieux et tout. D'accord. Je suis clairement mort quoi. Clairement. Suis clairement mort, mais bon, je les aurais pas mal aidés, je trouve quand même. Parce que, eh bien, il avait, enfin, l'Asramet avait beaucoup de vie, je l'ai tué. Puis j'ai poussé l'autre Eka, je l'ai tué. Et Biff le Céleste, bah, elle va normalement. Franchement, je crois que c'est gérable, parce que nos deux derniers ont pas mal de vie. Le Sacri essaye de se régénérer. Je devrais faire pareil, mais j'ai pas vraiment droit à l'erreur, surtout que avec le poison ça va me tuer. Donc ouais, go la taper quoi, à fond. Faut la finir. Faut la finir. Et tu fais zéro dégâts. Oh yes! Oui, du coup, je survis. Alors, on va faire l'explosion. Voilà. Le sacri, il a pris un peu cher. Il a pris 1143. Il a pris 1104.
Et voilà, c'est la victoire! Mais oui, le roublard, alors, concentré ou pas? Ah, c'était pas mal, là, franchement. C'était sympathique. En tout cas, en vidéo, c'était sympa. Donc, les amis, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de filmer des Coliseums, hein, puisque je sais bien que vous aimez ça. Histoire de se chauffer, on va dire, pour le Ghoul Terminator. Et que, bah, voilà, histoire que je sois pas trop ridicule. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le Ghoulta et pour une prochaine vidéo sur Dofus. Je risque d'en faire pas mal aujourd'hui, puisque je vais un peu. Comment dire? Je vais un peu enchaîner les combats et je vais essayer de les filmer tous comme ça, bah, ce serait sympa. Allez, ciao tout le monde, peace!